Et voilà, bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60, un débat intelligent. Comme je vous l'ai dit toujours, nous aurons deux invités sur ce plateau. La première est déjà arrivée, nous allons commencer avec elle. Il s'agit de Madame Anne-Marie Makombo, elle est présidente AI du parti LIDEC, à qui j'ai dit bonsoir. Ça va, malgré la chaleur, mais ça va. La chaleur extrême, je vous dis, il n'y a pas l'électricité et a une intensité très faible. Nous transpirons, donc supportez-nous chez vous. Oui. Et voilà, elle sera confrontée de Maître Zorobabel Mouland, qui est président du parti politique Les Yaouisto, qui est déjà sur nos murs. Nous allons parler sur l'apport de la femme dans la scène politique, sur le plan économique et sécuritaire, et puis sur d'autres questions d'actualité, entre autres la peine des morts. Mesdames et messieurs, nous commençons déjà cette émission, mais avant tout, un mot pour Chérubin Okende. Il est mis en terre aujourd'hui. Est-ce que vous avez connu Chérubin Okende? Bien sûr, j'ai connu Chérubin Okende. Il fut vraiment un ami. Il m'appelait d'ailleurs la mère de quelqu'un. Et vraiment, c'est triste. Et nous aimerions vraiment savoir dans quelles conditions il est mort. C'est le minimum qu'on puisse nous donner. Hein. C'est quand même quelqu'un que beaucoup de gens ont aimé, ont apprécié. Mm-hmm. Il a servi la République. Et là, maintenant, tout le monde est indécis. Tout le monde est dans plusieurs questions. On se pose vraiment des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? On aimerait savoir. C'est notre droit en tant que citoyen congolais. C'est notre frère. C'est notre ami, on aimerait savoir. J'ai vu les obsèques, j'ai vu les images, son frère est en train de parler. Il a dit qu'ils n'ont même pas reçu un franc du gouvernement. C'est déplorable, il a quand même servi la nation, non? Tout à fait, il a vraiment servi la nation. Il a vraiment servi la nation. Je ne comprends pas pourquoi on a pu agir ainsi. On aurait dû... quand même supporter financièrement ses obsèques. Un mot pour sa famille? Dans des cas pareils, c'est vraiment triste. Les mots ne signifient presque rien. La famille doit comprendre que effectivement, il n'est... La famille est très déçue, hein, très déçue, très choquée, oui, par les résultats rendus par la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Déjà, le peuple en général est très choqué, a fortiori la famille. Je suis sûre que la famille est plus que choquée et vraiment même dégoûtée. Donc, il est encore temps de réparer. Comme dans nos coutumes, on dit « matin, ici, la caté ». Il est encore temps. J'espère qu'on va faire quelque chose. Est-ce que tourne tout autour de la justice congolaise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer la justice, pour une bonne réforme de notre justice? Moi, je pense d'abord le président, le commandant suprême doit taper des poings sur la table, être beaucoup plus sévère. Et comme maintenant on a instauré d'ailleurs... on a levé, on a remis en selle la peine de mort. Il faut sévir, il faut. Nous allons en parler même. Oui, oui, voilà. Donc, il faut vraiment voir ce problème. On est assez désemparé de voir que dans beaucoup de domaines, beaucoup de choses n'est pas pris au sérieux. C'est un peu du laisser aller. Moi, je pense que le président doit vraiment cette fois-ci pour ce. Mais lui-même se plaint, il dit que la justice est malade. Justement, il faut taper des poings sur la table. Est-ce qu'un chef se plaint ou agit? Quitte à chambarder, changer les personnes qui sont là, des gens intègres, compétents, il y en a dans ce pays. Moi, je suis persuadée, il y en a. Il suffit tout simplement de vouloir et on va les trouver et les mettre en place. Vous êtes une femme leader, femme intellectuelle. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui ronge notre justice sévèrement? Oh, difficile à dire. C'est la mentalité générale du pays. Hein. Quand vous voyez comment va la justice, presque dans tous les domaines, ça va pas. Ça va pas. C'est pratiquement dans tous les domaines. Hein.
il y a un non sérieux, voilà. Parce qu'on sait que in fine, il y a toujours l'impunité. Et je pense que si on tape des points sur la table, qu'on sait maintenant qu'on va sévir, on ira avec les dossiers jusqu'au bout, je crois que les gens vont se mettre au garde à vous et faire attention. Quand on sait qu'il y a un laisser-aller, je peux faire ceci, je peux un peu déraper un peu, il n'y a rien de grave qui pourra m'arriver. Bon, les gens s'y donnent. Tout est soudoyé. Et il y a aussi l'éducation. Moi, je pense que l'éducation, vraiment, c'est la base de tout. Nous, on a étudié dans des écoles là où les professeurs, les enseignants étaient intègres à l'époque. Hein, et vraiment ne badinaient pas. Mais quand un enseignant est là parfois, parce que malheureusement, il est très mal payé, à tendre la main vis-à-vis de l'élève, bon... Il y a un laissé-aller. Il y a un laissé-aller. Dernièrement, c'était au régime précédent. C'était Alexis Tambomama qui nous avait parlé du système 3V, veste, villa et voiture. Et selon certaines informations, que cette situation s'est encore empirée. Cependant, on a cru qu'avec ce régime, il y aurait avoir un changement, une réforme. Le régime d'élu de PES qui nous a vanté la restauration, le changement, les bonnes mœurs, mais malheureusement, on voit les contraires. Oui, tout à fait. On doit vraiment. Donc, ils nous ont vendu du vent, s'il faut les dire. Il faut prendre les choses à bras le corps. Se mettre dans la tête que la situation, nous sommes dans une situation vraiment catastrophique. La mentalité, ce n'est plus ça. On se permet de faire des choses, on trouve ça normal. Et ça, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses. Et le Congo, c'est un peu comme ça. Mais le fait dit que c'est Koufa. Donc, ça ne va pas. Il faut que le chef, et le chef aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Qui est le chef, il doit prendre les choses à bras le corps, sévir. Moi, je me dis, quitte à instaurer la dictature dans ce pays, on en a besoin. On en a besoin avec un chef intègre qui montre lui-même l'exemple. C'est ça. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Je demande à la régie de nous balancer la vidéo de la femme, la musique là de la femme. Et voilà, merci beaucoup, madame, vous avez suivi la chanson, que j'ai souvent oublié son nom. Non, moi non plus, je ne connais pas. Est-ce que c'est congolais? Semble-t-il que c'est gabonais. Oui, son allure n'a pas l'air d'un congolais. Et voilà, vous avez bien suivi cette chanson, oui. Honneur à la femme. C'est vous qui mettez au monde le président, fous et voleurs, honneur à vous. Veuillez un peu analyser cette chanson. Non, ce que je regrette, c'est moi dans cette chanson. Pourquoi il dit malgré... Tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Nous vous aimons. Pourquoi un regret? Pourquoi malgré? Il aurait dû enlever ce mot-là, malgré. Donc, il est en train de faire l'éloge de la femme et avec ça, il met quand même des regrets. Voilà, quoi. Donc, il chante la femme, il est en train de... De faire la gloire de la femme, bon, ça ne doit pas s'arrêter qu'à ça. Nous, le mois de mars, c'est surtout le mois de nous faisons le bilan des droits, de nos droits, où est-ce que nous sommes, des droits des femmes, où est-ce que nous en sommes. Pour finir nos stratégies pour aller encore de l'avant. Nous sommes en train de faire des petits pas, mais c'est vraiment des petits pas. On aimerait que ça soit, les pas soient des plus grands pas pour aller vraiment de l'avant. Donc on ne peut pas se contenter d'une... C'est vrai, c'est une belle mélodie, mais on ne peut pas se contenter de ça. Bon, merci à lui quand même. Bon. Vous aussi, vous dites merci à lui quand même. Lui, il a dit malgré. Ah oui, moi, je lui renvoie la balle. Hein, malgré. Merci à lui quand même. Parce qu'il dit, vous êtes la vie, vous êtes la mort des hommes. Oui, c'est ça. A-t-il raison, hein? Non, moi, je pense qu'il n'a pas du tout raison. Parce que souvent, on dit que l'un à moi, c'est que l'un à dos. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas du tout raison. Parce que les femmes pourront en dire aussi autant. Autant. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette polémique-là. Nous sommes faits pour vivre ensemble, hommes et femmes.
Et nous devons tout faire pour que nous puissions nous entendre pour aller de l'avant. D'entrée de jeu, nous voulons que ce monde soit meilleur. Quel est l'apport de la femme dans la scène politique congolaise? Dans la scène politique congolaise, l'apport de la femme, elle est assez minime. Surtout quand on prend au point de vue sécuritaire. Oui, c'est très, très timide. Au niveau consultatif, la femme n'est pas du tout consultée. Et la femme n'a pas assez d'audace pour donner son point de vue. Et pourquoi elle n'a pas assez d'audace? Parce que tout simplement, tous les systèmes dans lesquels nous vivons, quand vous voyez le système patriarcal, et quand nous voyons les religions, comment la majorité des religions que nous avons ici, catholiques, musulmans, tout ça, fait reculer la femme. Parce que nous avons des preuves dans notre histoire que la femme, surtout africaine, a été une femme battante. Quand nous prenons le cas de Anne Zinga, une reine qui a régné sur le royaume de l'Angola, tant qu'elle était là, à la tête de son royaume, les Portugais n'ont jamais su coloniser l'Angola, jamais. C'est quand elle est morte que les Portugais ont pu s'infiltrer. Nous voyons au Dahomey, l'actuel Bénin, les femmes amazones qui avaient à l'époque des femmes guerrières, des femmes valables. Mais la colonisation est venue un lavage d'esprit à la femme noire, lui faire croire que la femme doit être en arrière et l'homme devant, que ça c'est pas la place de la femme, que la guerre, tout ça c'est pas la place de la femme. La femme doit être derrière et l'homme devant. Et moi je trouve vraiment que nos religions ont fait vraiment régresser. Mais il y a déjà eu révolution, nous voyons. Les femmes au gouvernement, les femmes aux entreprises. Non. Mais quelque part aussi, la femme elle-même aussi a le problème. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Elles sont peu les femmes qui acceptent des invitations aux médias. Surtout s'il faut parler politique. Elle peut être présidente d'un parti politique. Elle peut être, je sais pas, ministre, députée nationale. Inviter une femme, je vous dis, c'est tout un problème. Peut-être vous êtes le rare des cas. Non, ça, je vous l'accorde, mais c'est ça que je dis, ce lavage d'esprit qu'on nous a fait avec ce système de patriarcat qu'il y a dans la majorité de nos sociétés, fait que la femme maintenant se laisse croire, elle croit maintenant qu'elle est incapable, alors que c'est faux, c'est vraiment archi faux. La femme est autant aussi capable que l'homme. Et petit à petit, nous sommes en train de revenir là-dessus. Peut-être nous ne vivrons pas ça, nous ne serons plus de ce monde, mais je suis persuadée. Nous sommes en train d'aller vers ça. Nous sommes persuadés. Quand je vois même mes petits-enfants, surtout une de mes petites filles, mais elle a de ce caractère, et je dis à son père d'ailleurs, surtout ne la freine pas. Laisse-la s'épanouir, laisse que ce caractère puisse s'éclore, mais guide-la. Il ne faut pas, avec des paroles, non, tu es une fille ne fait pas ceci, surtout pas. Donc, nous sommes en train d'aller de l'avant. Et voilà, je vais passer la parole à Maître Zorobabel. Il est aussi président d'un parti politique. Maître Zorobabel, je vais suivre votre co-débatteur, mais j'aimerais un peu que vous reveniez analyser la musique en question, la chanson sur l'honneur de la femme. Et puis, vous allez parler sur la part de la femme que vous ressentez dans la scène politique de notre pays. Bon, vous savez, les chansons, ce sont des thèses des gens. Et il est difficile de... C'est une œuvre intellectuelle. C'est ça que j'ai dit. Une chanson, c'est une thèse. Oui, oui. Et lorsque celui qui a présenté sa thèse a frustré Madame Combo, peut-être que madame a raison. Et donc, malgré, je crois que madame a raison, on ne peut pas dire malgré, nous naissons des femmes, nous vivons des femmes, nous mourons des femmes. Mais ce que moi je peux ajouter dans cette thématique, c'est que l'intégration sociale, et la valeur que l'homme doit comprendre. Vous savez, moi, je suis par exemple contre nos frères
Mouba, qui choisit la femme de un. Nos frères qui? Luba. Qui choisit de un, de deux, qui se mettent à lever la main sur la femme. Quelle femme? Son épouse. Vous comprenez? C'est grave. Peut-être la mère de ses enfants. Oui. C'est trop grave. Il l'insulte au vieux au sud de tout le monde. Et, la batte et au jour le jour. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit, maître, dans les mariages où j'étais avec notre frère Luba, il avait acheté un fouet. Et moi, Nanayo. Et les messieurs étaient comme ça. Et il y avait des géantes, des femmes costauds. Mais quand tu prends le fouet, ça dit c'est une question d'éducation de la base. Et l'éducation de la base passe par l'église. Or, nous n'avons pas d'église ici. Nous avons un déportoir des blancs qui sont venus juste pour nous détruire. Nous détruire. Tenez, je vais dire à madame, la femme n'a jamais eu la fonction d'arrière-plan. Quand vous allez chez nous, même chez moi, la personne qui fait le champ pour nourrir toute la famille et le mari, c'est qui? Nous sommes bantous. Qui fait les champs dans la société bantou? C'est la femme. L'homme s'occupe de la chasse. Mais de la chasse, vous ne tirerez pas le foufou, la farine de manioc, vous n'allez pas tirer les maïs, vous n'aurez pas l'arachide, vous n'aurez rien. Donc moi, personnellement, je me dis que si la RDC ne marche pas, c'est parce que nous n'avons pas voulu capitaliser les valeurs qu'a la femme. On croit choisir des hommes, mais des incapables, de voir rien. En réalité, c'est la femme que nous devons choisir. Parce qu'elle, comme mater, elle a cette conscience, pas de s'enrichir illicitement, ni de trahir son peuple, ses enfants, mais de construire. Donc je pense que le mois de la femme doit être capitalisé, dans le sens que, moi quand j'ai le gouvernement Tshisekedi sortant ici, on m'a montré une vision. Tout le membre du gouvernement habillé en pagne. Et avec des foulards. Aujourd'hui, il termine, c'est pas 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce que nous avons comme résultat? Rien. Mais je suis toujours convaincu dans ma lutte que le jour où le peuple comprendra que nous pouvons faire comme le Centrafrique, il n'y a plus de guerre hein, comme avant, depuis le passé de la dame, comme président de la République. Samba, Catherine Samba. Catherine Samba. Il n'y a plus de guerre. C'était terrible là-bas. Hein? Nous pouvons faire mieux. Il y a beaucoup de femmes de valeur dans la société congolaise que, comme elle vient de le souligner, les traditions essaient de marginaliser. Mais apparemment, cette tradition aussi a pris les dessus. Même pas seulement nos frères Luba, mais du moins, il y a aussi certains hommes dans des prises de décision. Ils disent moi, Solingolo Malibosa Mibali, moi, j'en ai été victime à plusieurs reprises. Heureusement que la petite notoriété que nous avions, on s'est imposée. Vous voyez, je suis allée à travailler à l'Équateur comme directeur des informations dans une chaîne de télévision. Je me suis dit, avant de commencer, avant que chacun puisse apporter son élément, nous devrions nous retrouver dans une salle de rédaction, tenir un conseil. C'est une chose que je n'ai jamais trouvée là-bas. Je m'étais imposée, mais c'était difficile, je vous dis. Moi, c'est l'inga imposé, Batou, vous voyez. Donc, c'est une chose qui est déjà inculquée dans la tête de plusieurs hommes. Vous êtes même dans un taxi, il y a une discussion. Moi, c'est l'inga, le balbousa, mi bal. Non, non, c'est une éducation. Le problème, c'est quoi? Le peuple doit être éduqué. Et pour que le peuple soit éduqué, c'est le rôle d'un chef de l'État. Si le chef est absent de son rôle, et là, on ne voit rien.
je peux même parier que les derniers mandats, il n'y aura jamais une première ministre femme. Ah bon? Oui. Donc vous voyez, quand nous demandons, c'est parce que nous savons. La femme, c'est la, le seul être au monde qui peut connaître l'homme dans toutes ses facettes. Mais l'homme ne peut pas connaître la femme. C'est impossible. Madame, je mens? Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on dit moi, c'est Azandouk. Non, parce non, qu'elle arrive. Non, les gens ont tendance à traverser, oui. Oui, oui, à déformer ça. Oui. Parce que nous avons l'intuition que Dieu nous a donnée. Nous, l'intuition travaille beaucoup plus chez nous que... Moi, j'ai confiance à la dame. Alors, quel est l'apport des hommes? L'apport? L'apport des hommes pour booster la femme. Non, mais l'homme est un homme cupide. L'homme est un homme cupide. Et l'homme est allé dans tous les côtés, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans la sorcellerie, juste pour dominer la femme. Vous comprenez? Juste pour ça, qu'elle n'ouvre pas la bouche. Et quand elle fait ça, c'est parce qu'elle voudrait s'enrichir. Moi, c'est Andy Maillé, Yendazana Moyen, Buena Boye. Nous allons où? Ça, c'est la cupidité de l'homme. Qu'est-ce que nous nous demandons, par exemple? C'est qu'on puisse avoir dans cette société les genres de manière objective. S'il y a un gouvernement de 15 ministres, on a 8 femmes, 7 hommes, n'est-ce pas? Ou si nous avons cette structure, donc vous avez le premier ministre est un homme, comme ça, ça fait l'égalité au sein du gouvernement. Si c'est une dame, donc vous avez 7 femmes, 8 hommes, par exemple. Donc, nous, la femme a beaucoup à donner. La guerre à laquelle l'Europe a échoué dans l'Égypte antique, avec Ptolémée Ier, je crois, c'était l'armée des femmes. Il n'y avait jamais eu des hommes qui combattaient contre les infiltrés, contre les envahisseurs, les femmes. C'est-à-dire qu'on est venu, vous voyez, quand l'homme blanc est arrivé, il a commencé par dire Bazalaka na nzambe, bayebi nzambe, baze kolo ya nzambe. Ne leur enseignez pas Dieu. Boté à Bango, Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ Seigneur est sauveur, les dieux trinitaires, gna 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 gna. Conséquence, on a une société la plus maudite du monde, où il n'y a pas de repères, il n'y a pas de valeurs. Est-ce qu'on peut aussi avoir une femme générale des corps d'armée? Mais nous avons des femmes des généraux, des générales plutôt. Le problème, c'est, comme maman venait de soutenir, les femmes battantes aujourd'hui, elles ne sont pas là. Hein? Elles ont été presque pimbénisées, comme on dit, les femmes battantes. Puisque quand vous avez un général comme Chico, c'est un jeune, il doit être dans les 38 ans, je ne sais pas. Mais une femme générale aussi de cet âge-là pose problème. Mais ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Ce n'est pas négligeable. Maître, aujourd'hui, vous êtes genré. Mais c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes genré, vous soutenez le combat de la femme. Non, 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 qu'on ne vous ment pas. Vous n'êtes pas trop dur aujourd'hui envers les femmes. Qu'est-ce non, passé? Comment je peux être dur? Ça, vous m'attribuez une mauvaise éducation que je n'ai pas. Moi, je suis pour l'abolition, n'est-ce pas, de la majorité sexuelle à 18 ans. Parce que chez nous, comme Africains, maman, c'est à partir de 13-14 ans. Mais ce sont vous aussi les hommes qui vous avez instauré le système canapé. Non, mais les hommes pour corrompus... Pour obtenir un poste, les pour obtenir un poste avec quelqu'un, c'est le système canapé. Non, les hommes corrompus par l'Occident. Tu peux t'imaginer que nous sommes dans ces pays RDC, le modèle c'est l'Occident, alors qu'on n'est pas des Occidentaux.
tous les pays qui se respectent. Vous devez avoir votre propre coutume. Vous avez vos valeurs. Quand Mobutu est venu dire à Bakos, les gens éliminés, c'était dit, c'est le départ. Et je ne sais pas si tu étais encore, tu étais déjà né. Je vais te dire que la RDC avec le combat qu'avait mené Mobutu. En à l'époque, Zaïre, en 71, non. Déjà à partir de 71. Je n'étais pas encore né. On était la plus grande puissance du monde, financièrement. On avait, je crois que vous étiez déjà en vue, dans ce monde. Bien sûr. On avait un Likuta, un Zaïre. Qui valait à 3. 2 dollars américains. Et il n'y avait pas une monnaie ici bas. Toutes les monnaies qu'on appelle dollars américains, dollars suisses, ces dollars canadiens, aucune de monnaie ne se plantait. On était une force. C'est quand tu l'as fait revirement pour aller dans la prime à Kouria que Yahweh nous a frappés. On était une puissance. Ce que vous ne savez pas, on avait General Motors ici. On montait les véhicules ici. Et c'était détruit par l'opposition politique. Qui ne comprend pas que le développement de la RDC n'est pas forcément l'intérêt de l'Occident. Ils se sont appuyés sur l'Occident pour combattre Mobutu. Et aujourd'hui, nous payons. Je vous ai dit que nous, à l'époque, maman ne pouvait pas se promener en pantalon. On l'a respecté. Vous ne pouvez pas transporter maman sur une moto. Peut-être Vespa, mais moto, c'est moto ici, non. Ou c'est la voiture, ou elle est à pied. S'asseoir à deux, une personne derrière. Non, vous devez la respecter. C'est culte-là. Nous l'avons perdu. Mais n'apportez à la raboïte. Non, vous voulez copier ce qui n'est pas votre. C'est ça. Donc, chez nous, il y a un musicien qui a chanté quelque chose de très important. Abi nazali ndeko ya nazali mwana ndeko na yo moi si akelangai. Mais ce bout de passage, beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Ndeko na moi si akelangai. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis créé par ta sœur. Nous les hommes. Nous les humains. Femme ou homme. Donc, on ne peut pas aller contre la maman, c'est une malédiction. Et voilà, je vais passer la parole à Madame Anne-Marie Makombo. Vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais savoir, quel est le cheval de bataille de la femme pour qu'elle sorte de ce sommeil, pour qu'elle puisse atteindre son objectif primordial? Bon, il faut d'abord définir l'objectif primordial. L'objectif, je crois que les femmes veulent... La parité 50-50. Voilà, d'abord. Tout à fait. Être dans tous les domaines, les secteurs du pays, participer à l'évolution de notre pays, tout ça. Donc, c'est ce que nous, les femmes, nous désirons. Et comme je n'arrêterai jamais à dire, les femmes doivent sortir de leur silence. Les femmes doivent savoir prendre la parole. Les femmes doivent être plus audacieuses. Parce que les femmes intelligentes, il y a des femmes intelligentes. Mais nous ne nous faisons pas connaître. Et les hommes qui veulent nous écraser profitent de cela pour dire mais il n'y a pas de femmes. Et ils font ce qu'ils veulent. Et en général, quand ils veulent placer certaines femmes, ils aiment placer les femmes qu'ils peuvent bien mater, bien contrôler. Les femmes un peu très indépendantes, ils n'en veulent pas. Donc, c'est ça. Donc, la femme doit être plus audacieuse et prendre la parole. La parole donne le pouvoir. Il faut savoir parler, s'intéresser à ce qui se passe dans son pays, avoir un point de vue là-dessus, savoir donner des idées, corriger ce qu'il faut corriger. À l'Assemblée nationale, il y a peu de femmes qui s'expriment. Il y a quelques qui femmes. Qui légifèrent des lois, elles sont peu. Oui, il y a quelques la femmes. La plupart sont là que juste dès qu'elle arrive, elle poste des photos sur Facebook, comment elle s'est habillée, c'est tout. Il faut dire aussi qu'à l'Assemblée nationale. Mais dis-moi, je salue l'honorable Christelle Vuong. Pendant son mandat passé, elle a eu à légiférer 4 lois. Coup de chapeau à vous.
Oui. Et il faut dire aussi que, comme à l'Assemblée nationale, elles ne sont que 10% en général, à peu près. 10%. Sur 500, elles sont à peine 50, les femmes. Et les hommes sont beaucoup plus nombreux. Oui. Donc, il faut un peu faire la moyenne. Les femmes qui interviennent, faire une moyenne avec les hommes, par rapport à ça, ça veut dire quoi? Bon. Et... moi, je trouve qu'il y a eu quand même un petit progrès. La législation passée, les femmes intervenaient quand même, mais pas assez. Hein. Elles doivent avoir aussi des solutions à des problèmes. Par exemple, la guerre qui se passe à l'Est, savoir donner aussi leur point de vue. Et surtout, quel est l'apport de la femme sur le plan sécuritaire? C'est minime. Hein. C'est vraiment très, très, très minime. Qu'est-ce que la femme peut apporter par rapport à cette question? Mais elle peut donner des idées, étudier certaines situations. Pourquoi, par exemple, pourquoi il y a des trahisons? Pourquoi il y a des trahisons tout le temps à l'Est? Parce que cette guerre, quand elle se complique, tout ça, c'est nous les Congolais qui sont là-bas, qui trahissons. Et ces Congolais-là, la majorité, ce sont les hommes qui sont en train de trahir, qui vendent les idées, le pays de l'autre côté. Donc, la femme pourrait donner des idées. Vous savez, comment faire pour éviter cela? Je vais poser la même question à Maître Zorbabel, mais dis-moi une fois, de le vivant de mon père, on parlait, c'était juste après les Zaïre, hein. Parce que lorsque la fidèle est entrée, mon père, en tout cas, il avait dit niet de faire la politique. Et on parlait, parce que moi, je commençais à aimer la politique dès le bas âge. On parlait avec lui, avec un oncle, il nous a dit, vous savez, une fois, c'était une... Mobutu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait posé un acte dont le président, l'ancien président, c'était le pasteur Bizimungu. Et Museveni n'était pas d'accord avec, vu sa notoriété du maréchal qu'on l'appelait le gendarme d'Afrique. Et qu'est-ce que Pastor Bizimungu l'avait dit? J'ai de belles femmes chez moi. Je vous aurai. Quand vous viendrez vers les femmes de mon pays. Est-ce qu'on peut aussi utiliser nos femmes par rapport à cette question? Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par exemple, le Rwanda le fait. Oui. Le Rwanda. Est-ce que la RDC peut aussi le faire? Il fut une époque ici. Elles ont des femmes bien battues là. Les hommes congolais aiment de telles femmes oui, à Kandeke. Voilà, au Zaïre, il fut un temps au Zaïre, tout Congolais était tout fier de. D'avoir une Rwandaise. Une Rwandaise à ses côtés. Oui, alors que c'était une espionne. Donc. Et ça, c'est dans le monde entier, malheureusement. Même chez les Européens, ça se passe comme ça. On utilise souvent les femmes dans les services secrets comme ça. Elle est là, soi-disant qu'elle est en train de vendre ses charmes, mais elle est en train de prendre des informations. Est-ce que la RDC ne peut pas aussi copier ça? Pardon? Notre pays ne peut pas aussi copier ça? Il y a beaucoup d'autres choses. C'est des dépravations de mœurs, c'est immoral? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire que de copier ça. Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses, oui. Oui. Pourquoi tout le temps avilir la femme, diminuer la femme, présenter la femme seulement comme un objet de plaisir? Non, il y a autre chose. On peut faire vraiment, vraiment autre chose. Et voilà, je passe la parole à Maître Zorbabel par rapport à cette question. Mais il y a aussi un problème dont je posais la question dernièrement. Le rôle du ministère du genre, famille et enfants, on ne sent pas son impact. Aujourd'hui, nous voyons de filles danser nues, presque nues, à la télévision. Par contre, les danseurs, les hommes, sont habillés en costume, de belles chemises. Mais la femme est à moitié nue en caleçon. Vous voyez, c'est immoral. Et par rapport à cette question sécuritaire, est-ce que vous accepterez aussi qu'on utilise nos sœurs, nos femmes, comme espionnes, comme fait le Rwanda, pour la question sécuritaire du pays? Madame, le concept hirondelle, dans notre jargon, définit justement l'emploi de jeunes filles dans les services de sécurité, même des femmes. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. Ça se fait déjà. L'infiltration jusqu'au lit de haute autorité ou de hautes autorités, ce sont les mêmes femmes. Vous comprenez? Mais le problème, c'est lequel? Là, je préfère que Madame Kombo retienne ça aujourd'hui. Elle a parlé de Anne
Anzinga. Anzinga était spirituelle. Elle était dans le même rang que Kipan Vita. Elle était spirituelle. Ce n'est pas à son époque qu'on a tué Kipan Vita. Ce n'est pas à son époque. Aujourd'hui, toutes nos femmes ici, ce sont des chrétiennes. Je mens. Vous n'êtes pas chrétienne? Oui. Qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, tirer ou extirper? Être chrétien, c'est mauvais. Mais c'est du vide. Du vide, rien ne peut sortir. C'est-à-dire que nous, nos femmes doivent revenir à l'incréé créateur Yahweh. Parce que, quand vous lisez la Bible, lisez Ésaïe chapitre 3, hein, son entièreté, et puis conclusion, chapitre 4, verset 1. Pourquoi la Bible dit « cette femme prendra un homme » ? Pour la Bible, elles seront humiliées comme ça. La femme aussi est humiliée en RDC. Parce que elle a oublié son créateur. Elle a pris la place pratiquement du créateur. Avec son orgueil, avec tout ce qu'elle est en train de faire. C'est là le malheur que nous avons. Quand vous prenez Ézéchiel, Jérémie 44, verset 26, c'est à cause de vous, les mamans, qu'on est maudit dans ce pays, parce que vous faites des libations à la reine du ciel. C'est qui la reine du ciel? Bon, logiquement, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est Lilith. Et Lilith, c'est un démon. Ah bon? C'est un démon qui est adoré par beaucoup de gens. Moi, j'ai eu la chance de la voir. Comment? Non, un jour, je suis allé dans une église catholique. Donc, vous êtes une chose? Non, non. Nganazali, pour d'autres, disent Oza Moto, Moza Pelima. Mais un bon, jour. J'ai Lima sur mon plateau ici. Je ne sais pas, les gens qui. Ceux qui me kakangan, évitent, ils disent Ah, Yozali, Elima Moto. Un jour, dans l'église catholique, na kotara na messe ya ebandelia 5h na fandi le temps na tombola bona moni moi si attendi na kati église me mondele a mimi bébé na ye na mwana nu attendi c'est elle existe elle est là donc ka bazo benga ma Marie non. Ezalie Marie, maman Yaye Souté. Elle a toujours existé et punition sur tout ça en Afrique. Ezalie, que nous avons fait allégeance à cette dame. Voilà. Or, Nzamba Lobi, Bosenga Kakangai Moko Tata Nabino. Bosenga Limata Mouat Pongane Nakeli Bangonyoso. Donc, la femme doit prendre ses responsabilités. Nde Mamat. L'air yo, maman Nabiso. Et l'amour qui n'a tongo, ozo perception, orientation, à Robang Anzambete. Ozo même abusu nanzele aliwa. Qu'est-ce que nous deviendrons? Je te donne un cas parce que je voudrais que maman comprenne très bien. Prenez le cas. En tout cas, moi, je ne suis pas ici pour discuter des croyances. Non, non, ce n'est pas. J'ai mes croyances. C'est dans le débat. Non, c'est pas au bout d'une émission qu'on va changer mes croyances. Ah non, j'ai dit seulement. Je préférerais couper tout court en disant oui. Je suis chrétienne parce que je ne veux pas en discuter. Non, non, ne discute même pas parce que ce sont des informations que toi aussi tu profites. Je vais te dire une chose. On a fait une prière ici au Palais du Peuple. La première dame et tous les pasteurs, là, ils ont prié pour la guerre. Qu'est-ce que ça a changé? Hein? C'était les chrétiens. Les mêmes chrétiens que nous sommes en train de condamner de par leur velléité, leur comportement. Ce sont les mêmes. Le pasteur qui était ici, qui est devenu le chef de la rébellion M23. Chef de la rébellion, quel pasteur? Ah, Kimaka, l'air à Kabila. A commis. Bizimungu. Non, c'est pas Bizimungu. Bizimungu, c'est l'ancien président. C'est le président rwandais. Donc, le nom viendra. C'est pour vous dire qu'à un certain moment, nos mamans doivent être comme les disciples femmes de Jésus-Christ. Jésus-Christ est immolé, tué. Mais les jours de l'enlèvement de son corps, tombé un vendredi soir, ils ont décidé, on va observer le sabbat conformément à la loi.
Or, qu'est-ce qui change entre nos mamans, nous, et nos mamans qui sont occidentales? Nos mamans occidentales observent et enseignent à tous les enfants la crainte du sabbat. La semaine anglaise, ce sont les mamans qui l'ont enseigné. Et même ici en RDC, toutes les sociétés occidentales, américaines, françaises, le sabbat, vous ne travaillez pas. Vendredi soir, Missa les Sili. Mais nos mamans, des filles, Yahweh. Conséquence. Merci. Merci. Madame Arima, comme vous pouvez rebondir. Et puis, vous allez répondre par rapport à cette question de moratoire sur la peine des morts. Oui, disons sur la spiritualité, j'aime pas beaucoup discuter là-dessus parce que j'estime chacun à ses croyances. La spiritualité, je pense, est un domaine personnel. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se mettrait debout devant moi pour essayer de m'enseigner tout ça, ce qu'il faut être, ce qu'il ne faut pas être. Ce sont des choses que je ressens moi-même et je sais comment je suis en train d'aller. Et la preuve, c'est pour ça que je ne fréquente pas beaucoup tous ces pasteurs, tout ça. Je suis pas là-dedans. Donc venons-en au but vraiment de notre débat ici. Vous parlez de la peine de mort. Je dirais que moi, je suis pour la peine de mort pour notre pays. Je suis pour qu'on a pu lever le moratoire sur la peine de mort parce qu'il y avait trop d'abus. Les gens se sentaient toujours, se disaient « Bon, je veux faire ça. J'irai à Makala quelques mois. J'en sortirai. » Et puis bon... on recommence, quoi. Je pense que et cette guerre a trop duré, il y a trop de gens qui ont souffert, des mamans violées, des foyers détruits. Il y a aussi des traîtres au gouvernement, donc oui. On a dit le cardinal Ambongo, malgré qu'il est insulté par certains membres de l'UDPS. Il y a aussi des traîtres au gouvernement qui non, il y a des traîtres partout. Il y a des traîtres partout. C'est pour ça, je suis d'accord. Cibler les traîtres qui je suis d'accord pour la peine de mort. Le rebelle du M23. Non. Mais être au gouvernement et trahir le pays, vous êtes de mèche avec le M23. Ça c'est vraiment, je vois pas où est la différence. C'est que tout simplement on vous avait pas vu avant, on connaissait pas, et maintenant on découvre ça. Il y a des traîtres même au gouvernement, ça c'est certain. Il y en a au Parlement, partout il y a des traîtres. Donc maintenant, comme on a instauré cette peine, moi je suis parmi ceux qui disaient que pourquoi on n'a pas la peine de mort dans ce pays. Et même ici à Kinshasa, avec le phénomène Kuluna, qui se permettent de ôter la vie, de couper un bras, de couper je ne sais quoi à de paisibles citoyens, il faut instaurer ça. Comme ça, il y aura maintenant une certaine crainte. Et si ça ne change pas, on va encore corser. Donc, je suis pour la peine de mort. Merci, Maître Zorobabel, par rapport à cette question. Madame, je vous remercie d'abord pour la question. Je voudrais souligner un élément. Spirituellement, la majorité de Congolais et de Congolaises est traître du point de vue spirituel. Je vais expliquer à ceux qui ne sont pas. Vous savez que nous sommes à 90% chrétiens, plus de 90%. Et dans le livre qu'ils tiennent en main, il y a un passage dans 1 Jean chapitre 2, verset 22. À qui doit-on faire allégeance? Et quand vous prenez 90% font allégeance à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Traître vis-à-vis de qui? Traître vis-à-vis du Père de Jésus. C'est lui que Jésus appelait le Père, donc Yahweh, en conclusion. Ça, c'est le premier élément. Donc, la trahison est vraiment totale. Premier élément. Deuxième élément. Que veut dire la peine de mort? C'est lorsqu'on commet une infraction qu'on peut appeler grave.
l'effusion du sang. Vous comprenez? Quand vous tuez, vous devez purger. Mais qui a institué cette interdiction? C'est la Bible. Dans Genèse, lorsque Yahweh refait l'actuel monde, il dit à Noé, ne touchez jamais au sang. Transmettez cet ordre, ne touchez jamais au sang. Le sang est sacré. Que ce soit un animal, vous voulez égorger, manger un animal, vous devez l'égorger, vous assurer que tout le sang est allé par terre. Vous ne pouvez pas manger la chair et son sang. Quand le Christ vient, il dit, je suis venu, pas pour abolir, mais pour endurcir la loi. Et là, il dit quoi? Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Là, c'est le Christ, Jésus. Et quand vous allez dans toutes les sociétés civilisées, vous trouverez que celui qui touche au sang et qu'il trouve des justifications, il est condamné à 500 ans. Donc à perpétuité. À perpétuité. Si il ne trouve pas de justification qu'il est récidiviste, c'est la peine de mort. Avec une condamnation de sorte que, même après votre vie dans ce monde, vous ne devez pas vivre. Donc, vous tenez la peine de mort. C'est pourquoi je l'explique d'abord avant de donner mon point de vue ou le point de vue de mon parti politique. Tendons déjà vers la fin de l'émission. Bien sûr. Madame, l'acte posé aujourd'hui par le gouvernement sortant, par notre président de la République au travers de ce gouvernement, c'est un acte louable. Et ça doit aller plus loin dans les mesures maintenant d'application. À l'époque de Papa Feu Singaoudjou, Ongentoubi, il avait initié comme ministre de la Justice une loi où celui qui détournait le denier public devait être condamné à mort. C'est ce qui avait coûté à l'époque son poste. Miyibi Baleki Namboka Oyo. Vous comprenez? Miyibi Baleki. Donc, la peine de mort, c'est la volonté de Yahweh lui-même. Nous sommes le seul pays sur le rang de la médiocrité qui avait réduit la peine de mort à 19 ans. Mais l'Union européenne avait déclaré dernièrement par rapport à cette question qu'ils sont dans l'abolition. C'est-à-dire? Ils ont aboli cette question de peine de mort. Pourquoi nous pouvons revoir ça? Non, non, il y a ceci. C'est ça que je disais tout à l'heure. Que ce soit moi, que ce soit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce soit toi ou Mama Kombo, on n'est pas des Occidentaux. Nous sommes des Congolais, des Bantous. Tous les pays qui se respectent n'abandonnent pas leur mémoire collective, n'abandonnent pas leur être pour devenir de blanc la peau noire. L'Union européenne, ils ont résolu la question à leur manière, nous ne connaissons pas. Mais qui a imposé les bûchers dans l'histoire du monde? C'est l'Union européenne qui a commencé dans son histoire avec la CEE à l'époque. Ce sont eux. Ceux qui basent aux Alindo, qui batumbio. Ce qu'ils ont fait à Kimpavita. C'est ce qu'ils faisaient chez eux. Elle était sorcière? Non, quand on vous accueille des sorcières, c'est le bûcher qui vous attend. Merci. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas la preuve de ce qu'on veut nous imposer. Chez eux, quand tu commets l'infraction, la rébellion, ou pas la rébellion, hein, la rébellion c'est tout à fait normal, mais la trahison. Mais vous devez être tué. On doit vous tuer. Ceux qui basuillent, on doit vous tuer. Vous êtes considéré comme hors la loi. Merci beaucoup. Et pourquoi nous, c'est nous seulement, qui devions accepter que ce n'est pas notre pays, Zanangwelo Koyamutunyoso, Salandenge Mote Manuel Lingi, Motoko Jijou Azate, non?
À un certain moment, la prise de conscience du président de la République est à féliciter. Mon parti politique, le mouvement pour la libération de conscience, et moi-même, maître Zorobabel Moulang, je lui lance des fleurs et lui félicitons pour la levée de ces moratoires. Et voilà, madame, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais donc, comme nous sommes au mois de la femme, je dis, et comme nous avons parlé justement de l'apport de la femme au point de vue politique dans le domaine de la sécurité, la femme doit être plus audacieuse. Nous avons de bonnes idées pour sauver notre pays, pour essayer de diminuer un peu diminuer un peu la force de nos agresseurs. Les idées, les femmes en ont, je suis sûre, mais nous sommes assez timides pour pouvoir les dire ouvertement. Et comme je disais d'ailleurs un jour, beaucoup d'idées que quand vous voyez l'homme se targuer de donner des idées, faire des analyses, souvent beaucoup de ces analyses viennent de leur épouse à la maison qui donnait certaines idées. Ah, moi je vois pour ce point de vue, mais qu'est-ce que tu penses de ça? On devrait faire ceci. Comme certains disent que c'est Hamida qui dirige l'UNC, c'est Denise Nyakia qui dirige l'homme à la l'homme capte. Oui, voilà. Et c'est le rendre en public. Alors que la femme, elle est beaucoup plus timide, elle n'ose pas. Donc la femme doit oser. Ce pays est à nous, tous, et les hommes et les femmes. Nous devons contribuer à ce que cette guerre puisse s'arrêter. Nous avons des idées, donnons les idées à haute voix pour que ça aille jusque chez notre président, pour qu'ils puissent en faire bon usage pour sauver notre pays. Trop de souffrances, ça a trop duré, il faut que cette guerre s'arrête. Et voilà, merci Madame Anne-Marie Makombo. Je passe la parole à Maître Zorobabel, mot de clôture, mais n'oubliez pas de mettre un mot sur Chérubin Okende, qui est mis en terre aujourd'hui. Non, d'ailleurs, tu viens de me rappeler, franchement, mes condoléances les plus émues. Je ne l'avais jamais rencontré comme ça. Mais c'était un jeune que j'aimais beaucoup. Beaucoup parce qu'il était intelligent. Mmh. À un certain moment, il allait y avoir du rapprochement entre nous, puisqu'à l'époque, on était presque tous dans une opposition. Mais hélas, le destin en a jugé autrement. Il s'est suicidé, il est mort. Chérubin, pour les lâches, moi je ne suis pas un lâche. Personne alors ne peut m'intimider. Il a été assassiné. Que Yahweh bénisse. On saura un jour. Vous savez, vous pouvez avoir le pouvoir aujourd'hui. Vous vous cachez derrière le pouvoir. Vous commettez des actes. Les jours où le pouvoir se termine, tu es exposé. Oui. Et personne ne viendra parler pour toi. C'est lui qui a commis l'acte, il est là. Un jour viendra. Les expertises qu'on prétend là, Chérubin Okende, c'est tout. Et puis il sort de sa Jeep, il roule dans la poussière, et puis il rentre, il met la ceinture. Vous voulez mentir qui? Puisque vous êtes une autorité du pays, vous nous demandez de fermer la bouche. Il faut faire attention. Tu peux m'arrêter aujourd'hui, mais je sortirai. À moins que Yopo décide au Bomangaï. Donc, le Kambouya Chérubin Okende, ça nous fait mal au cœur. On a voulu salir l'image de marque du président Tshisekedi. Et je crois que lui-même n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été au deuil là-bas. Je salue vraiment sa présence. Non, je ne pense pas. Il y a même un membre de l'UDPS qui a été chassé. Ah bon? Oui, qui a été chassé. Ils n'ont pas mis leurs pieds là-bas. Ça, c'est bon. Alors, moi, je disais ceci. L'apport de la femme pendant ces mois. Je suis en train de chuter. Tout ce que je peux demander, c'est que maman fasse une grande campagne pour qu'on ait des très belles filles qui acceptent de s'enrôler dans notre armée. Ça va changer la donne. Pourquoi des belles filles? Pourquoi vous insistez sur belles? Oui, des belles. Parce qu'une belle fille est persuasive. Ma mission Mingi, ce n'est pas n'importe qui. Quand une belle fille descend
Aïebi Moussala Naye. Et lorsqu'elle descend même à Goma, Akoyeba Mingi, Akosala Mingi, au détriment. Hein? Vous voyez la faiblesse des hommes. Hein? Donc ce n'est pas la faiblesse. Vous avez parlé de. Belle fille. Mais l'armée Bakendara, oh, tu sais, moi j'ai fait l'armée. Hein. Comment tu me trouves? Ce que vous dites, vous avez raison. Mais comment tu me trouves d'abord? Je ne vous pointe pas, vous. Ah. Je dis les hommes en général. C'est une faiblesse. Non, 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 non. Nous disons la femme dans l'armée, elle a un rôle. Merci, c'est de sauver son peuple. Et cette femme qui doit sauver le peuple, ce n'est pas une femme qu'on va batailler. Non. Séduisante. Mais c'est la vérité. Parce que quand on dit que nous n'avons pas de femmes ici, moi je regrette. Rwanda, l'équipe de la cité, madame. Les seules femmes très belles du Rwanda, n'est-ce pas, on dit qu'elles sont comme des Kassayennes, par exemple. Je peux te donner un cas. Quand vous allez dans les Bandundu, il n'y a que les Yaka, hommes, qui sont un peu courts. Nous sommes dans les Bayaka. Les très belles femmes. Les femmes congolaises sont belles. Elles voilà. Sont très c'est belles. Ça que j'ai dit. Donc, qu'on puisse faire ce travail-là, Armen Abissou Zouata. Moitié merci à Mibal. Beaucoup. Ça va aller. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu Mme Anne-Marie Makombo. Elle est présidente du parti LIDEC, à qui nous disons merci. Merci. Ce fut un plaisir aussi pour moi. Vraiment. On a reçu Maître Zerubbabel Mouland. Il est président de. Je n'arrive pas à c'est plutôt LIDEC que je ne comprends pas la définition. Moi, c'est le mouvement de libération des consciences de l'homme. Et voilà. La Ligue des démocrates congolais. Voilà, par exemple. Merci à Light Mouton. Merci à Enoch Mbala. Merci à toi, Annette Ngamoup, ma belle-sœur, ma préférée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de nos sœurs femmes qui tombent, qui meurent violées au jour le jour à l'Est. Que Dieu protège nos fardessés et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.